Ok, bonjour, yo yo yo, je suis là. Vous avez enfin un commentateur. Je vais vous mettre. Ou bien comme qu'il faut. Ah. Pardon, hein, je suis en train de me battre contre la technologie. Et pour une fois, j'ai gagné. Très bien, je vais me baisser un petit peu. Puisque je sais comment mettre un micro, contrairement aux personnes qui me précédaient. Nous avons donc Buzard. Il y a un strong hit à mettre sur ce Falco qui décidément ne veut pas se laisser toucher. Oh là là, ce Shine Retreat Side Platform était monstrueux. On est combien là? Ok. 1-0 pour lui. Me dit-on à l'oreillette. Hop. Hop. Voilà. Comme ça, tout est beau, qui est beau. Le niveau de Buzard qui dit let's fucking go. On est sur. Ok. Alors c'est pas du troll, hein, le fait que Ferradit joue Falco. Parce que donc si vous ne le savez pas, Ferradit est un main Fox. Mais sa manette lui fait quelques petites surprises, donc il préfère ne pas jouer Fox et jouer ses secondaries. Bon. Falco, c'est pas non plus genre son Yoshi ou je ne sais quoi, c'est un vrai perso qui joue. Au moment où je dis ça, il fait le pire wall jump d'air de l'histoire des wall jump d'air et meurt pour ça. Chier, comme on dit dans le milieu. Ok, laser petite. En plus, évidemment, le match-up est très très bon pour Falco. C'est les deux classes canon du jeu qui se tapent. Il va falloir utiliser le maximum de tilt possible. Excellent combo avec l'extinct d'honneur. J'adore ça. Bravo, bien ouais, je Fera. Le maximum de tilt du côté du pigeon et des lasers. Très très bien timé en fonction des aerials du Falcon. On a une excellente shield pressure de la part de Fera. Shield drop upper, une des meilleures options sur les plateformes du jeu. Par contre, Buzard qui s'endort un petit peu. Là, il se fait totalement surmener par toutes les hitbox mises par le Spaces, il a du mal à trouver l'option. Évidemment, out of shield, Falcon, c'est pas le meilleur perso. Ok, on trouve un grab, dommage, on manque la read sur l'attaque roll. Ouais, là, on aurait pu couvrir ce side B. Le side B de Falco qui est quand même plus rapide que celui de Fox. Et on accueille comme une fleur au printemps sur l'edge avec un F-Smash. Par contre, on ne respecte pas l'invincibilité de Falcon et on se prend un random upper. Qui voilà, laisse Buzard dans la course, la read sur la roll ici qui aurait pu mener à un plus gros combo. Très très bonne dash dance de la part de Buzard, dommage, il n'y a pas eu le follow-up après cette dance row. Grosse pression mise par Ferradit qui profite qu'il n'y ait pas de side platform pour laser à souhait. Le weakly, bien vu, on a réussi à se faire câliner par le B, mais on n'est pas revenu. Ouh, cette. Ouais. Dommage, je pense que l'invincibilité n'était pas terminée du coup. Ça n'est pas passé. Le truc de score automatique qui fait totalement n'importe quoi. Nous sommes à 1 partout, mesdames et messieurs. Yo Nova, comment ça va? J'espère que vous allez bien dans le chat. J'ai fait le tournoi en double, en singles. Je suis tout seul à gérer le tournoi, donc forcément vous ne me voyez pas beaucoup et tout le monde n'est pas disposé à commenter.
En plus, il y a StarDG qui m'a fait une des frères du jamais vu. Mais on est là. Waouh, le side B pour retreat de la shield pressure manquée. J'ai jamais vu ça. Et c'est passé. Oh, j'aime beaucoup. Ici, c'est short up. Waveland in. Luzar, lui, n'a pas mordu à l'hameçon. Dommage, la dash dance qui était un poil trop courte et qui se fait catch par un strong back air. Ok. Par contre, Fera qui se met tout seul dans le corner. Heureusement, Buzard n'a pas profité de cette opportunité. Le back air qu'il met en edge guard. On le cueille, ce side B qui n'a pas du tout été shorten, par un strong knee. Ça, c'est vraiment les punish qui sont redoutables de la part de Falcon, bien sûr. Beaucoup de way dash out of shield de la part de Buzard. Mais qui n'ont pas été très très payants pour l'instant. Le stomp out of shield, le re-grab, la tech qui est pas lue. Il y a plus de read que de reaction tech chase. C'est assez dur, hein. Après on peut pas lui en vouloir. On est sur un joueur de haut calibre où il faut faire des décisions très très vite. Il faut prendre pardon, des décisions très très vite. On n'a pas tout le loisir du monde de faire des reaction tech chase. On est stock even, ok, dommage, on manque le gentleman. Shield pressure qui n'était pas parfaitement clean. Comme cette punish. Oh, le père bourré en désavantage qui a bouffé le saut de Ferradit. Je pense que tout le monde a été surpris ici. Pour le plus grand bonheur de Buzard. Ok, nair into a pair. La get up attack, on court pour faire un nid, on manque le stomp. Les tech rolls de Ferradit sont très très bonnes. Hein. Beaucoup de mix-up que Buzard a du mal à exploiter. À couvrir, pardon. On a failli caser ce back air. Pas de tech possible sur celui-là. Le rinse and repeat, mais on a juste à grabble ledge. Dernière stock pour ce match. 72%, c'est des pourcentages qui font vraiment peur. Ferradit qui ralentit le jeu avec beaucoup de laser, qui est patient, qui cueille avec un up tilt, qui arrive à mettre un bon combo ici. On est toujours dans le punish. Ok, le Raptor Boost qui s'est fait calmer directement au démarrage. Ferradit qui ne s'est toujours pas fait toucher. C'est wave dash back. Oh, il a voulu faire le kéké, il n'a pas réussi à conclure un stock et il prend juste le ledge. Le man, il veut faire des wall jump d'air et finalement, il lame prend le ledge. Voilà, il est sur tous les fronts. Mais ça gagne. Et c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Buzard qui est très très confiant sur son counter pick Dreamland. Et je pense que c'est effectivement une bonne, un bon terrain pour lui. Il arrive à... Bonjour monsieur. Il y a un monsieur que je ne connais pas qui arrive, mais il a l'air gentil, donc je le tolère. Ok, le nerf. Dommage. Dommage le full up ici. Ce nerf qui était pas safe on shield, ça, Buzard l'a vu. Et l'a puni efficacement. Oh, bien vu ce late back air ici. Excellent drift de la part de Buzard qui esquive de peu le dernier. Up throw, pas de follow-up. Ok, les recovery de Buzard sont vraiment bonnes. Hein. Oh, la tech, je pense qu'il sauve Ferradit. Hein. Il aurait dû faire comme son adversaire et prendre le ledge. Ce drift, le serpent du Nord-Pas-de-Calais. J'aime bien ce pseudo, mais il est un petit peu long. Le serpent d'Arras. J'aime beaucoup les wall jump comme ça, les wall jump back air avec Falco. C'est quelque chose que tu peux pas trop faire avec Fox. Ferradit en profite. Ça a réussi à passer. Ok, c'était un... Il y a beaucoup de mix-up sur les shield pressure qu'on nous offre ici. J'aime ce qu'on voit. Ok, pas de shine grab. L'air dodge qui est puni. Bonne tech de la part de Buzard ici. Grosse pression, mais ça tech, hein, ça tech comme Jaja. Pareil, Buzard qui mix up très très bien ses techs. Strong back air, un petit peu random. Mais c'est le jeu. Falcon, bon,
Tu te prends un strong aérial à 100%, on fait peu cher de ta peau. Oh, le nerf en désavantage qui était très malin, qui permet de reversal. Ça a pas pris le kill parce qu'on était que à 12% post-hit. Donc ça n'est pas passé, mais on est bien. Ok. Dommage, le Junkleman qui ne passe pas, du coup on jab à l'infini. Excellent up tilt qui va catcher Buzard. La tech enfin qui est lue. Le weak nick n'est pas passé. Le shine stall de Ferradit ayant bien mess up le timing. Ok, belle danse qui est battue par le nerf de Ferra. Très très patient ici qui n'overcommit pas. Le wave dash in, le double jump instant qui est puni par le strong knee. Et assez étonnamment, c'est even. J'avais l'impression que Ferradit avait l'avantage, mais non. C'est un petit peu le lot de ce genre de match-up. Où, un petit peu comme Falco Chic, où t'as le Falco qui va mettre la misère à son adversaire, mais en fait, il suffit que quelques openings seulement hein, pour pouvoir prendre des stocks. Et ça peut commencer par ce stomp, non. Par contre, on a un beau combo à base de Shine, le Double Jump Drift qui a été excellent, le Serpent du Pas-de-Calais qui met un nid ici, qui take chase. Oh, nid le trade it que voulait absolument Buzard, il prend le ledge et il prend la game. Petit pop-off des familles et on va en game 4. Waouh! Mesdames et messieurs, vous avez droit à du beau mêlé. Foudroiement. Alors, j'irai pas jusque-là quand même, on va se calmer. Il a pris la game. Il lui a pas marché dessus non plus. Hein. S'il vous plaît. Donc, on est à 2-1. 2-1 pour Buzard. Bonsoir, Touf, j'espère que tu vas bien. Je ne sais plus pourquoi j'ai pensé à toi, mais sache que j'ai pensé à toi. Oh, excellent backer d'air, j'adore ces conversions, c'est tellement élégant, tellement sexy. Il vole, il plane cet oiseau. Il a une recovery pourrie, mais il danse parfaitement le balai aérien. Il y a 2-2. Ah bon? Bon, on verra après, c'est pas grave. On verra les réactions des joueurs. Oh! Dommage. Mais c'était compliqué, malheureusement Falco a des ailes mais pas 3 sauts. Cette dash dance incroyable de Buzard. Il check le shield ici. Il overcommit pas. Et le stomp knee qui marche de la CE2 jusqu'en Master 2. Le bread and butter. Le bread and peanut butter. Excellent air dodge pour prendre le ledge. Un très bon mix-up. J'ai l'impression, j'aime pas se faire ce genre de commentaires parce que c'est comme si je donnais des bons points alors que je me suis fait sortir avant le top 8. Genre oui, il a bien joué quand même. Hein. Moi j'aurais fait pareil hein, quand même. Très bien vu. Ok, le pair en désavantage. Assez light en plus. C'était difficile de le prévoir. Ni pour punir la gate up attack. Ici, le back air en cover. Ça a trade fortement heureusement pour Ferradit qui a encore une chance pour la vie. Le back air qui là envoie dans les abysses son adversaire qui était à plus de 170%. Ok, le Raptor Boost qui passe. Le premier me semble-t-il. On n'a pas voulu prendre le ledge. Ups, oh non, dommage. Heureusement, Captain a les bras longs. Il va choper le ledge. On bourre les backers comme Jaja. On garde le ledge cette fois-ci. Pas de fioriture. Et c'est propre. Mesdames et messieurs, nous sommes à 2 stocks apiece, comme disent les Anglais. Et on hold in. On hold in de la part de Buzard. On raid cette, on réussit cette tech chase. Pas la deuxième, malheureusement. La roll. La dash attack. Un petit peu floppy. On repart en séquence de laser, épilation laser du côté de Ferradit. La roll également. Oh, le Shine out of Shield qui a été assez clutch. Essayer de trouver la bonne conversion parce que pour l'instant, les jeux défensifs des deux joueurs sont impeccables. Ça s'échange juste quelques petits coups. Ce Dare ici, qui était un bon mix-up DI, je trouve. Il a décidé d'en finir le plus vite possible plutôt que d'extendre le combo. On est allé chercher ce back air et ce dare ici pour envoyer en fin fond de Battlefield Buzard qui est sur sa dernière stock sur cette game. Par contre 65%, hein, ça peut aller très vite. Comme par exemple ce stomp knee que vous avez vu 100 fois mais qui vous fait toujours le même effet, toujours le même frisson.
Ah, j'ai beaucoup aimé ce late d'air, mais ça ne suffit pas. Ok, la tech chase droppée malheureusement. On part sur une read plutôt que sur une tech chase justement. Et les SDI out. Le laser ! Non, pas par là, bizarre. Il est pas par là. Il n'y a rien à chercher ici. On soutient Fera dans la venue. Ok. Ça cherche le kill move pour assurer la fin. Trop de tension ici. Trop de tension sexuelle dans ce set. On récupère le center stage des deux joueurs. Ça reste pas mal en shield, évidemment. Le back air into shield. On esquive de peu le laser. Juste à faire un rinse and repeat au niveau de l'edge guard. Les lasers qui ont eu... Oh, il va le terminer. Il va le terminer. Il a pas aimé que je dise qu'il ait juste pris le ledge. Là, il est allé le terminer. Il l'a envoyé tout au fond. Quelle belle game. Quel beau BO, mesdames.